Brasys est un outil de gouvernance digitale qui développe la collaboration et l'engagement des collaborateurs au service des clients. Concrètement, c'est une application web et mobile qui regroupe trois grandes fonctionnalités sociales au sein d'un espace de travail digital. Alors, comme fonctionnalité, on a un réseau social d'entreprise qui va créer de la collaboration et de l'engagement auprès des salariés, des outils RH pour l'engagement au sein de l'outil et un portail client pour la satisfaction client. Alors, très concrètement, en fait, c'est vraiment une application smartphone, hein, vous voyez, je l'ai sur le mien. Dans laquelle chaque utilisateur va se connecter tous les jours ou en tout cas quand il en a envie, chaque collaborateur salarié. Et puis quand il va se connecter, on va déjà lui demander comment ça va. Le but, ça va être de déterminer le climat social de l'entreprise à l'instant T pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui, puisqu'on ne les voit pas forcément tous les jours, vont bien, pas bien. Et ensuite, ça va être au dirigeant, en tout cas à l'équipe de la dirigeante, d'avoir les actions correctives. Le but, c'était vraiment de rapprocher les collaborateurs éloignés géographiquement. On va prendre le cas très concret de Peretti, où il y a une centaine de collaborateurs et trois agences distantes géographiquement. Les compagnons ne voient la direction qu'une à deux fois par an. Le but, c'était de redescendre les informations de la direction aux collaborateurs directement et inversement, collaborateurs vers direction instantanément. Qui ressort au premier abord, c'est l'intuitivité du logiciel. En fait, dans la majorité des entreprises, quand on met en place un nouveau logiciel, ce qui est long, ça va être le déploiement, la formation. Là, le parti pris d'Orasys, c'était de dire, il faut que ça soit comme Facebook, en fait. Il faut que ça soit sans formation pour les utilisateurs.